Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance, et puis à très bientôt. Au revoir. Voilà, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Selon la zone géographique où vous vous trouvez, c'est la chanson de tous les jours. Moyo wenu bonso. Ni nwenu benakatanga njinwela moyo. Ni babi, ni bimpa, ni baji batu shipa tuet benakasai, batu kengesha moyo wenu. Wasikizi wapenzi wa lugha la Kiswahili, jambwenu. Jambwenu. Niko na wa mukia. Tena na wale weko na tuua sisi wa Kasaya. Jambo yenu. Sanferia. Muzidi kutuua. Sanferia. Mais l'autorité de l'État sera établie. Je fais appel à Eddy Kapende. À Eddy Kapende de traquer ces chefs coutumiers qui se mettent sur les ponts. À Kamina, qui font des incantations selon lesquelles aucun Kasaïen ne peut traverser ce pont-là. S'il traverse ce pont-là, il sera mort. Bon, je lui dis quand même bonjour à ce chef coutumier-là qui fait ces incantations-là. Mais il faut qu'il sache que les Kasaïens au Katanga, ils sont chez eux. Car le Congo, il est pour toutes les ethnies. Le Congo, il est pour toutes les ethnies. Vous n'avez pas honte? Ces gens-là sont des Baluba, mais Baluba du Kasaï. Vous êtes des Baluba, Baluba du Katanga. Vous n'avez pas honte? Voilà. Analengo, Moyanyo, Bampangina, Tombotana, Beno. Je suis en colère pour ce qui se passe au Katanga. Le président de la République a parlé. Il a dit que ceux qui vont répéter ces choses, ils me verront sur leur chemin. Nous attendrons. Bon, j'apprends que Eddy Kapende a arrêté certains chefs coutumiers, mais c'est à vérifier. Bon, nous verrons. Comment peut-on être arriéré jusqu'aujourd'hui, au 21e siècle, en janvier 2024, être assez arriéré pour être tribaliste à ce point. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas honte. Je vais vous montrer une vidéo d'un Katangé qui se plaint que, regardez, le président de la République, originaire du Kasaï, Kasaïa, regardez comment il a construit le Katanga. Plus que dans le Kasaï. Il a construit, il a fait des réalisations dans le Grand Katanga. Plus que dans sa province d'origine, je veux dire le Grand Kasaï. Je vous montre cette vidéo adressée à Mwandong Simba. Et vous aurez honte. Vous, les mauvais Katangais et neufs. Moi-même, je suis né
à Likasi, Jadoville, à l'époque, dans un camp militaire. C'est pour ça que je parle le peu du swahili que j'ai gardé parce que j'ai quitté à l'âge de 6 ans. Mes parents continuent à parler toujours le swahili, c'est pour ça que j'ai encore quelques mots du swahili en moi. De temps en temps, je parle avec ceux qui veulent me parler en swahili. Voilà. Alors, nous allons parler également de l'agression de la RDC. Un nouveau rapport des experts de l'ONU confirme la présence des éléments de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Mais commençons d'abord par la commémoration de la journée des martyrs de l'indépendance. Vous savez ce qui s'est passé en 1959? Bon, un meeting devait se tenir à Matongué, dans une grande place, un stade peut-être. Alors le président de l'association de l'ASBL, hein, à cette époque-là, l'association des Bakongo, la Bakou, c'était le président Kassavubu. Il devait y tenir un meeting, mais la place était déjà bondée, la population attendait. Et le meeting avait été annulé. Alors, ces Congolais se sont révoltés car quelques politiciens de l'époque, y compris Kassavubu, s'étaient rendus à Accra. C'est au retour que ce meeting devait avoir lieu. Bon, il paraît que le meeting avait été interdit par les autorités coloniales belges. Et quand les Congolais de l'époque se sont révoltés, on les appelait les Congolais belges ou les Belges ou les Belgo-Congolais, bah parce que la colonie s'appelait colonie du Congo belge et du Rwanda au Rundi. Voilà. Et c'était comme ça, vous voyez. Le Rwanda et le Burundi, ça faisait partie d'un ensemble qu'on appelait le Congo belge et le Rwanda au Rundi. Voilà, chers compatriotes, je vais vous montrer quelques extraits d'images commémoratives de cette époque-là. Bon, vous allez comprendre que la qualité des vidéos de l'époque, bon, ce n'est pas comme aujourd'hui où tout est digitalisé. Et après vous avoir montré cela, nous allons passer à cette histoire de l'agression du Rwanda. Et nous allons finir par le rappel à l'ordre, à la sagesse d'Inkatangé à l'endroit de Mandon Simba et compagnie qui s'en prennent aux Kasaïens à travers leur discours, au discours de haine. Bandeko na biso botala yangoana. Serrez vos ceintures. D'abord, les martyrs de l'indépendance. Jeudi, plusieurs personnes ont perdu leur vie lors des émeutes historiques du 4 janvier 1959. Ces derniers réclamaient un meeting pour l'indépendance du Congo. Les émeutes ont éclaté après que les autorités coloniales ont interdit aux membres du parti Abaco de manifester, une répression sanglante au cours de laquelle 49 personnes ont été tuées le 4 janvier. Une commémoration symbolique qui résonne encore profondément dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Suivez ce rappel historique. 4 janvier 1959, date commémorant les martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pour la petite histoire, cette date historique est la résultante
d'un meeting prévu à Imka, aujourd'hui baptisé place du 4 janvier à Matongé, dans la commune des Kalamu à Kinshasa. Des Congolais venus à masse attendaient l'adresse du président de l'Alliance des Bas-Congo, Abako, appelé affectueusement Mbuta Kasavubu. Chose curieuse et surprenante, l'orateur attendu a renoncé à ce rassemblement pour des raisons que l'on ignore. Et ce fut les volte-face de militants assoiffés d'écouter leur leader. Conséquence, Léopoldville, capitale du Congo belge à l'époque, aujourd'hui Kinshasa, fait l'objet d'une violence sans précédent mêlée à celle des supporters de l'équipe de V-Club en colère sortie du stade Tata Raphaël pour avoir perdu les matchs face à Mikado. Nous sommes toujours à Matongé. L'intervention de la police coloniale belge pour rétablir l'ordre, malheureusement, a mal tourné. Plusieurs Congolais tués par balles. Devant une telle boucherie humaine, solidarité oblige les Congolais à l'unisson. Ceux de Léopoldville et de l'intérieur ont trouvé l'occasion pour réclamer l'indépendance de leur pays assiégé par les colons belges. Le moins que l'on puisse dire à ce sujet, ce moment fut le déclencheur d'un Congo libre et souverain, tant recherché à travers un long combat mené par le père de l'indépendance, à savoir Kasavubu, Lumumba et tant d'autres. Combat qui a fini par donner les résultats. Le 30 juin 1960, le Congo Kinshasa devient indépendant. Cet affranchissement obtenu à prix du sang est un acquis que tout Congolais est appelé à préserver, qu'il pleuve ou qu'il neige. Bref, une responsabilité pour les Congolais, celle de mettre leur pays, le protéger, le construire pour le bonheur de tous aujourd'hui et les générations futures. Surtout en cette période délicate où la République démocratique du Congo fait l'objet des convoitises de sa faune et de sa flore, sans oublier ses multiples richesses minérales par certaines nations comme les Rwanda qui pillent et détruisent dans sa partie est. Une aventure qui n'a que trop duré, l'unité des Congolais reste un atout majeur pour stopper cette barbarie qui menace non seulement la sécurité des milliers de Congolais, mais aussi l'intégrité territoriale. À propos de la lutte pour l'indépendance de la RDC, il y a des sites historiques qui illustrent bien le combat de longue haleine mené par les Congolais. Notre reporter est allé à leur découverte. Regardez. Les sites qui incarnent l'histoire congolaise de la lutte pour l'indépendance, on en trouve sur les territoires nationaux. Malheureusement, ces mémorials ne sont pas la préoccupation des écoles pour être enseignés à la nouvelle génération, notamment sur leur importance historique. Ce par exemple, Imka, place mythique du 4 janvier 1959 au quartier Matongé, dans la commune des Kalamu, à Kinshasa. C'est à ce lieu historique qu'un grand mouvement des masses des Congolais en quête d'indépendance est parti. Historique comme les, je sais pas moi, l'Arc de Triomphe ou bien de tout ce que vous voulez, mais nous, nous avons le 4 janvier. C'est quelque chose qu'on doit préserver et remodeler et remettre à sa juste valeur. Parce que c'est ça l'indépendance. Eu égard à l'importance de cette place, de donner ce qu'il faut et ce que mérite cette place. C'est ça le problème. Nous devons faire des choses qui nous élèvent. C'est ça. Ça, c'est l'histoire du pays qui commence. Et grâce à cette histoire, il y a eu l'unicité qui est nous. Une autre place très significative pour les Congolais, Kimpwanza, qui signifie indépendance, où est installé l'imposant monument de Mbuta Kasavubu, le tout premier président de la République démocratique du Congo. Nous sommes en plein cœur de la commune de Kasavubu, mais hélas,
cette place n'est pas entretenue. Et la place n'est pas non respectée. Pour cette place du premier président de la République, nous demandons qu'on mette la propreté pour son honneur et l'honneur du pays. À quelques mètres de Kimpwanza, le stade martyr de la Pentecôte, espace aujourd'hui très fréquenté à cause de son caractère sportif, mais peu sont des Congolais qui connaissent son histoire. Le pharmacien en appelle l'implication de l'État congolais pour que l'histoire des sites historiques de la RDC évoqués soit enseignée dans toutes les écoles pour barrer la route à l'ignorance. Justement, à l'occasion de la journée des martyrs de l'indépendance, le professeur Isidore Ndaiwel, historien de son État, nous replonge dans l'histoire. Il nous explique l'origine et le sens de cette journée dans cet extrait choisi par votre rédaction. Le 4 janvier, c'est la fête de la rupture. De la rupture avec l'ordre colonial. Alors, ainsi conçu, on devrait dire que sont martyrs de l'indépendance, d'abord tous les résistants de la période coloniale, ceux qui ont lutté, qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas accepté l'occupation coloniale. Et là, ils sont nombreux. On va commencer probablement par tous les résistants des mouvements messianiques, les adeptes du kibanguisme qui ont été envoyés au loin dans plusieurs régions du pays, dans les prisons. Les adeptes du Kitawala qui sont également dispersés dans le pays, des chefs coutumiers, des chefs traditionnels, et les leaders de ces mouvements, Simon Kimbangu en tête, et qui va connaître un long emprisonnement pour la Chine. Voilà, ce sont là le premier lot des martyrs de l'indépendance. Le second lot des martyrs de l'indépendance, ce sont toutes les victimes de la manifestation indépendantiste du 4 janvier 1959, dès la première législature. L'événement du 4 janvier 1959 a été quelque chose qui a marqué les esprits, tant au niveau de la colonie, mais même de la métropole. Parce que jusque-là, le Congo avait la réputation d'être la colonie moderne. Voilà, en tant que Congolais de père et de mère, Kassayan, je suis en colère concernant ce qui se passe dans le Katanga. J'interpelle les autorités pour qu'il n'y ait pas impunité et que s'il y a des sanctions à émettre contre les chefs coutumiers qui s'obstinent à contrarier les desiderata du président de la République là-dessus et d'Eddy Kapinde qui est le responsable de la région militaire de ce côté-là et qui avait menacé, qui avait dit que je ne veux plus entendre parler de ça. Qu'il y ait des condamnations, des arrestations et des condamnations à des peines lourdes, des peines exemplaires. Nous devons nous montrer émancipés comme les autres peuples du monde. Il y a dans le monde beaucoup de pays qui ont beaucoup évolué, qui ne parlent plus de tribus. En Chine, on ne parle pas de tribus. Ils sont chinois, de telle appartenance linguistique, un point, un trait. En France, ils sont français, hein, de telle région, du Languedoc, d'Île-de-France, de Provence, comme nous pouvons parler chez nous, des régions aussi, hein, des équatoriens, du Bas-Congo ou des Né-Congo,
dit Kassaïan et Katangé, même quand on dit Katangé, il y a beaucoup d'ethnies là-dedans. Il n'y a pas que les Balbakat, il y a les Basanga, il y a les Babemba, il y a tout le monde. Et même au Kassaï, tout le monde n'est pas Balouba. Au Kassaï, nous avons des Balouba et des Baloubaïsés. Les Baloubaïsés, c'est ceux qui parlent des langues très proches du Tchiluba. Bon, ce n'est pas moi qui ai utilisé le terme, c'est le colon qui utilisait ce terme-là. Par exemple, les Basongués ou les Songués. Bon, les colons les appelaient, les classifient comme des loups Basongués. De toutes les façons, quand ils parlent, moi, Louba du Kassaï central, là où passe la rivière Louloua, j'entends. Bon, j'entends mieux que ceux qui n'ont pas appris la linguistique. Moi, bon, quand je faisais des études de philosophie, j'ai appris la linguistique. J'ai appris à comparer les langues, donc je comprends mieux que ceux qui ne sont pas du domaine. Donc pour moi, un Songué, c'était un Moulouba. Louba, Songué. Moukété, c'était un Moulouba. Un Kanyok, c'était un Moulouba. Voilà, il y a des Tétélas. Nous avons les Tétélas, ils sont des Kassaïens. De toutes les façons, quand on massacre les Kassaïens au Katanga, on ne fait pas de différence. Hein. Que vous soyez Tétéla, Kanyok, Moukété ou Moussongué, vous êtes discriminé. Ces discriminations, vous savez, c'est de la bassesse. Quand vous êtes tribaliste, donc vous vous assimilez à des gens qui vivent dans des sociétés anthropologiques. Vous voyez par exemple les Indiens qu'on trouve dans l'Amazonie, qui se promènent encore nus ou demi-nus, des tribus de la Guinée, de la Nouvelle-Guinée, dans le Pacifique, où les Noirs des îles Andamang, en Indonésie, ces gens-là vivent encore dans des sociétés qu'on appelle anthropologiques, c'est-à-dire ils sont encore dans le Moyen-Âge ou l'Antiquité de leur ethnie, c'est ça que vous êtes. Hein? Vous vous rabaissez. Vous montrez de la haine comme si l'autre était supérieur à vous. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui parce que le présent Tshisekedi est devenu ce qu'il est devenu, président de la République, un Kassaïen. Avant qu'il ne devienne président, il y avait d'autres présidents. Nous étions toujours traités de vantards ou de matuvu ou des gens qui occupent les meilleurs postes, mais ce n'est pas notre faute. Il faut demander les comptes aux colons. Donc c'est des idées reçues. Je ne vois même pas de différence aujourd'hui. Hein. Les Loubas qui ont été attaqués, massacrés, je peux utiliser le terme Amalembankoul. Moi j'ai vu des cases traditionnelles. En bois, donc en chaume, je ne voyais pas des riches ou des gens qui étaient bien installés dans des villas, mais non. Donc c'est de la haine à partir des idées reçues, et sachez-le bien aussi, vous les illettrés qui ne savez rien, des incultes, qu'il y a des Baloubas du Katanga en Boujimaï. On les a vus. Ils ont fait une déclaration. Ils ont dit arrêtez. Ou tout simplement, ça s'est exacerbé maintenant que
un Moulouba Kassaï est devenu président de la République. Ah, donc vous lui défiez. Eh bien, je demande aux autorités de renforcer l'état de droit partout, d'arrêter les responsables et d'y mettre dans certains territoires des administrateurs de territoires qui ne sont pas originaires de là, que ce soit des militaires ou des policiers. Il nous faut un gouverneur militaire à Kamina. Un gouverneur militaire à Kamina et dans les territoires. Mais oui, la même chose au Katanga, pourquoi pas? Parce que ça ne va pas. Ça va continuer jusqu'où? Cette haine, ça ne finit jamais. Il y a de la haine, les Kassaïens sont attaqués parce qu'il y a un président. Et le jour qu'il n'y aura plus le président Tshisekedi à la tête du pays, ah, ce sera pire, hein? Là, ce sera comme à l'époque d'un Ngonze Kalibanda avec Mobutu. Voilà, chers compatriotes, suivez ce Katangé qui se révolte contre cette situation et il s'en prend à Mwandon Simba, qui devrait être maintenant en état d'arrestation, mais il y a une plainte déposée contre lui par les victimes de ces barbaries. Voilà. Moukwantombolo, Fatih Béton, mes très chers frères congolais, mes très chers frères congolaises, Batoto Katanga, c'est moi votre bien-aimé, votre frère Katangé, le petit-fils de Mwant Yav, le petit-fils de Mwant Nambas, Mwant Rekonkish, Mwant Kat, le fils de Maman Célestine Kamwende Mboum, votre frère Katangé. Je viens passer un message à mon aîné Mwando Simba. Très cher aîné, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que l'Éternel nous a pas donné? Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à nous les Katangé? Qu'est-ce que l'Éternel nous a pas donné? Ça fait 21 ans, Dieu nous a donné Mouzé. Le Mouzé Laurent Désiré Kabila, 3 ans. Il nous a donné Kabila, 18 ans, 21 ans. Qu'est-ce que vous avez fait chez nous au Katanga? Mais aujourd'hui, l'Éternel nous a donné un don, une bénédiction. Le président le plus aimé du Congo, un président qui n'est pas tribaliste, son directeur de cabinet, Guylain Nyemboye Katangé, son premier ministre qui est là, il est Katangé. Le général de l'armée est Katangé. Mon oncle, le général du 21e brigade, Edi Kapende Katangé. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Cet homme, il a construit Kolwezi plus que Mbujimayi. Il a construit Kolwezi plus que Kananga. Il a fait 145 territoires. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Pourquoi ne pas aimer un homme comme celui-ci? Toi, mon frère, mon aîné, Mwando Simba, va toi-même, entre dans la rue, Batoto Katanga, Mushukufu Eboule, Batoto Yabo, Beboko Kukubulaya, Beboko Afrique du Sud, mais moi, Mukufu est déjà politicien. Ne tombez pas dans le piège du sable. Chez Batoto Katanga, nous allons nous battre pour qu'il n'y ait pas même une goutte de sang qui va tomber demain. Tout celui qui planifie cette force sorcellerie est nul et sans effet au nom de Jésus. Nous cancelons les plans maléfiques du diable. Malheureusement, chez nous au Katanga, regardez ces leaders qui ont mouillé leur maillot. Nous disons merci à son excellence SJ Kabuye Kefotisev. Regardez les résultats à Kinshasa. Merci pour l'est de notre pays. Vital Kamere a montré cher aîné papa Bati Lukwebo pour le maillot. Regardez Jean-Pierre Mbemba pour ce qu'ils ont fait. Samalou Konde et nous, le Congolais, regardez cette équipe. Nous vous disons merci d'avoir mouillé vos maillots ici en Afrique du Sud. La fiche que vous voyez ici, DRC Chambre de commerce, ça veut dire RDC Chambre de commerce, c'est mon entreprise. J'ai pris en charge, j'ai organisé pour la première fois dans l'histoire de la diaspora congolaise, ici en Afrique du Sud, la première sortie de l'Union Sacrée Afrique du Sud. J'ai financé seul, avec mon équipe de l'Union Sacrée. On a réuni tous les partis politiques, membres de l'Union Sacrée, Société Civile, Bamama Gambela, pour la première fois dans l'hôtel 5 étoiles que j'ai financé moi-même pour l'amour de cet homme. Quand on a annoncé sa candidature unique ici en Afrique du Sud, je vais balancer les images
mariage, vous allez voir, pour la deuxième fois, l'hôtel Hilton, on a fait des champagnes. On lui a promis de lui donner la victoire ici en Afrique du Sud. Voilà aujourd'hui, en Afrique du Sud, nous avons donné, très cher président, 81%. Je n'ai pas dit que je fais ça seul. J'ai dit merci à tous les partis politiques, membres de l'Union Sacrée. Merci à la Ligue des Jeunes, des l'IDPS qui se sont donnés corps et âme. Merci à mon parti, IDPS. Merci à MLC, à tous les partis politiques, à tous les Congolais, sans discrimination, Katangé, Kinois, Kassaïen, toutes les races, toutes les tribus ont soutenu cet homme. Au Katanga, malheureusement, il y a beaucoup, je n'ai pas dit tout le monde, mais beaucoup que le chef a fait confiance pour battre sa campagne au Katanga. Ils ont bâti campagne pour eux-mêmes. Mais nous autres, on n'a pas seulement battu campagne pour nous-mêmes, ici en Afrique du Sud. Moi-même, je suis descendu au Katanga. Moi et Madiwel Champs Maloba, 936, mon numéro est 16 septembre. On est descendu à la Rouachi, dans le fief de Moïse Katumbi, dans le fief de l'IDP. De l'ensemble. On est à Luoshi, Chamakanda, Chamilembo, Pazambia, Murwashi, là où qui était ma base. Vous allez voir les images. Pour la première fois, on a bâti campagne, on a vendu cet homme. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec nos propres moyens. Avec nos propres moyens, pour l'amour de cet homme, pour l'amour de mon pays. Que mon Dieu vous bénisse. Mouchangouke Moupiège Chetani. Mwando Simba. Toi-même, entre dans la rue. Les plans diaboliques que vous avez pour sacrifier mon peuple, sacrifier le peuple congolais, est nul et sans effet au nom de Jésus. Qu'est-ce que Fachi n'a pas donné à nous les Katangais? Ce soir, nous sommes prêts à célébrer. Nous préparons nos champagnes pour célébrer celui que la CENI va annoncer. Que la CENI annonce celui que l'Éternel a préparé. Toute autorité vient de l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse. Mouchangouke ma piège abatoto achetani. Mouchangouke ma piège abatoto achetani. Moukobatoto amungu katangais. Tanga inabakia uni sheba katange atustanguka mupieja mweba mwando simba juu ya makuta. Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à nous les Katangais? Aujourd'hui, nous en donné 20 Katangais. Félix Antoine Tshisekedi du Tshilombo. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu bénisse mon président. Que mon Dieu bénisse mon pays. Que Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mungu wangu amibariki. C'est moi votre frère congolais, votre frère Katangais, le révérend Pasteur Thomas Kamwend. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu bénisse la RDC. Vous avez entendu, hein? Que Dieu bénisse la RDC. Ça, c'est un bon Katangais. J'espère que Mwando Simba et les mauvais Katangais haineux, ils ont compris ce message. Il faut se corriger. Bon, nous passons maintenant, chers compatriotes, au titre sur le Rwanda. Le Rwanda est pris la main dans les sacs, comme on dit. Paul Kagame, quand nous disons le Rwanda, c'est le régime de Paul Kagame, ce n'est pas les Rwandais, parce que tous les Rwandais ne sont pas mauvais. Il y a de bons Rwandais. C'est ces Rwandais-là que nous voulons que prochainement, si jamais il n'y a plus du tout de Kagame à la tête du pays, que nous traitions pacifiquement avec ces Rwandais-là, parce que il y a des lustres, on a bien vécu avec des Rwandais. Moi, j'ai eu des étudiants rwandais à l'université avec moi, et je ne mettais même pas dans ma tête que c'était des non-congolais. Bon, il y avait des blagues rwandaleux, mais pour nous, c'était des Congolais, mais de cette ethnie-là. Voilà. C'est plus tard qu'avec cette invasion et cette occupation de Paul Kagame pendant plus de 20 ans, avec à la tête de notre pays son, comment l'appellerais-je, son dauphin, ou son, une sorte de son gouverneur général, parce que c'est Kagame qui commandait tout. Lui, Joseph Kabila, Tutsi de son état, donc n'était qu'une étiquette.
Voilà, c'est comme c'est là que qu'on a compris que finalement ces gens ne font pas partie de nous. Ils nous discriminent. Ils viennent chez nous. Ils ne s'adaptent pas. Ils se marient entre eux. Ils conservent leur langue. Ils réclament des terres chez nous, au Congo, alors qu'ils sont des réfugiés et qu'ils devraient avoir des cartes de séjour. Ils se prennent pour supérieurs à nous, avec leur notion là de quoi, de l'empire Hima Tutsi, quelque chose comme ça. C'est là que nous avons compris, mais c'était tard. Vous vous imaginez 20 ans, 21 ou 22 ans d'occupation. C'est un garçon barbu de 22 ans, déjà à l'université. Et c'est tout ce temps qu'ils étaient chez nous. Hein. Tous ces gratte-ciel qui sont là à Kigali, et tout ce qu'il a pillé... Chez nous, c'est ça qui lui a servi de construire son pays. Hein. La preuve maintenant qu'il y a eu le président Félix Tshisekedi qui a mis fin à tout ça. Maintenant, son pays est sous perfusion. Maintenant, il manque de beaucoup de choses. Économiquement, il souffre. Il y a eu des écoles fermées, des universités fermées. Et nous apprenons que il y a des militaires rwandais là au Rwanda qui se révoltent contre lui. Nous voulons bien qu'il collabore avec nous pour que nous puissions les libérer. Le président Félix Tshisekedi a dit tout de même que il est la personne qui va étêter le Rwanda. Étêter, ça veut dire Kokata Mutu. Mutu ya Rwanda. Tokoti Kalakaka, le peuple rwandais, parce que c'est le régime de Paul Kagame qui est mauvais. Paul Kagame, ses ministres, ses officiers et consorts, c'est eux qui dirigent le Rwanda. Une minorité Tutsi, ils oublient les plus de 90%, 90% de Hutu et Batwa. Et des mélanges, parce qu'il y a des mélanges aussi. Ils oublient tout cela. C'est eux qui dirigent. Et quand ils sont venus au Congo, c'était tout ce qui était parti à l'armée. Et puis, lors du brassage, mixage, etc., ils se sont éparpillés partout. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour que le président Félix Tshisekedi puisse dépouloir tout ce système. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un nouveau rapport des experts de l'ONU qui confirme la présence des éléments de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Des experts de l'ONU vont publier un nouveau rapport sur l'implication des militaires rwandais aux côtés du mouvement rebelle du M23 dans la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans ce nouveau rapport, non encore publié et consulté, bah, il est déjà écrit, mais il n'est pas publié. Oui. Ce mercredi 3 janvier, consulté par actualité.cd. Ces experts mandatés par l'Organisation des Nations Unies confirment avec des images à l'appui, je vais vous montrer cette image-là tout à l'heure, la présence de la force spéciale du Rwanda dans le sol congolais aux côtés du M23. Lors des combats en Touro, au moins 70 combattants du M23 ont été tués. Le groupe a reçu des photos de combattants du M23 tués, conservés au secrétariat. Plusieurs sources, dont des témoins oculaires,
un officier de RDF. Et d'autres sources confirment cette présence-là des Rwandais sur le sol congolais. Voilà, chers compatriotes. Je me demande aussi pourquoi les autorités, les dirigeants de notre pays ne font pas comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a porté plainte à la Haye. La Haye, c'est aux Pays-Bas. Ils ont porté plainte à la Cour. Je ne sais pas comment, de la Haye. Contre Israël. Ils ont porté plainte contre Israël pour génocide du peuple palestinien de Gaza. Et le premier ministre Netanyahou, c'est lui qui dirige, ils ont un régime là d'un président, un président honorifique. Bon. Alors, le premier ministre Netanyahou a accepté d'aller comparaître à la Haye. C'est une première, hein, chers compatriotes. Ce n'est pas au Conseil de sécurité. Hein, parce que là, au Conseil de sécurité, il y aura le veto des États-Unis. Il y aura le veto de la France. Vous savez, ces Occidentaux-là. Dans ces pays-là, il y a des lobbies juifs très puissants qui dirigent les États-Unis. Hein. La même chose en France. Hein. Oui. Et c'est la vérité. Mais là, à la Haye, la situation sera différente. Alors, j'aimerais bien que notre pays, la République démocratique du Congo, puisse porter plainte contre le Rwanda pour génocide et pillage de nos ressources. À la Haye. Pas à Genève, hein. Ni au Conseil de sécurité à New York. Là-bas, ils ont leurs amis. C'est eux. De toutes les façons, quand on dit l'ONU, l'ONU c'est qui? C'est les puissants. Donc c'est les États-Unis, les Occidentaux, la France, bien sûr. Il y a la Chine et l'Union soviétique. Mais bon, et non, la Russie. Ils ont ce système-là désuet qu'ils appellent le droit de veto. Ça, je me demande parfois pourquoi certains pays de l'ONU n'en sortent pas, devraient en sortir. Hein. C'est une coquille vide, hein, l'ONU. Voilà, chers compatriotes. Nous finissons par là et nous allons nous retrouver dans les prochaines émissions. Alors nous disons toujours que Dieu bénisse la République démocratique du Congo pour ceux qui nous aiment. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Comme ça, à chaque fois que je suis là, à chaque fois que j'interviens. Bon moni Yango, et puis bon lundi Yango. Voilà, Bampangi, Namono, au revoir. Kwaheri, salamu. I'm happy.
Kasaka.